La Bourse affrontait les Toronto Maple Leafs, pâle, cet après-midi, et puis Carrier et Poulin ont malmené l'autre équipe. Cependant, Ellis, aucun lien de parenté avec Dan Ellis, on ne sait pas son nom, son prénom. Il reste un joueur qui est resté dans le mystère. Eh bien, Carrier avec Poulin de l'autre côté. En 2 contre 1, Carrier va envoyer le 10 de l'autre côté à Poulin. Et regardez, il a une cage béante. Il en profite pour éclabousser un lancer frappé. Et regardez Ellis. Avec la mitaine, saisie de disque. Ellis a montré tous ses talents cet après-midi. Il volait les joueurs de la Bourse anonyme. Et Poulin, là, qui ici avait une cage ouverte. Ellis, le show-off, saisi avec la mitaine. Il est allé des arrêts spectaculaires tout l'après-midi, mais celui-là, là, on doit lui lever notre chapeau. Quel arrêt devant Poulin. C'était un boulet de canon, là, un peu à la Johnny Boychuk. C'était un rocket, tout simplement. Et Ellis qui décide là, de sortir la mitaine. Quel arrêt. La Bourse qui a toutefois l'emporté. Et tout un match 3-0.